êtes connectés. Non, moi, c'est Esther Hervelus. Nous sommes avec nous sur le panel, Myrthe Lorté, Mireille Hens, et puis Vlad Laguerre, et puis mon frère Lima. Dans ce dernier show, nous avons parlé sur le service clientèle en Haïti. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler sur ce sujet, sur le transportation système en Haïti. Mais avant que nous rentrions brusquement sur ce sujet, vision de tout connecter, c'est qu'on est capable de connecter tout Haïtien dans le monde entier, spécialement en Haïti, depuis qu'on a Internet, on est capable de rejoindre nous sur Internet. Dans notre connecté, nous avons quatre rubriques. Première rubrique qui c'est sujet du jour, deuxième qui c'est blague, et puis troisième qui c'est danser, quatrième qui c'est pensée du jour. Alors sans que nous partions sur ça, nous avons demandé à Mireille ou bien mon frère du mal, Myrthe Lorté, si nous sommes capables de dire Internet attraction, exactement, juste pour te rappeler tout petit sur les dernières choses que nous avons fait. Nous sommes capables de dire que le service clientèle là, c'est un point de liaison entre client avec institution. Donc, si vous avez un bon service à la clientèle, produit va bien marcher, institution va bien vivre. Exactement. Alors, c'est sur ça que nous avons tout connecté, deux choses ensemble, pour être capable de parler sur le transportation système en Haïti. Je vais demander n'importe quel nous sommes capables d'élaborer le transportation système en Haïti. Transport, c'est un système liaison en pays, avec, en fait, en d'un pays à même, de un point à un autre point. Par exemple, dans le pays PAN, nous avons un transport qui fait à terre. Transport, nous devons faire sur la mer, sur la rivière. Et ensuite, tout, transport aérien, nous gagnons avion, nous gagnons hélicoptère, disons mieux, hélicoptère. En tant que dit ça, Vladimir Fersky dit que nous gagnons un petit garçon. Nous avons dit que nous gagnons un officiel. C'est officiel, nous avons dit que nous gagnons aérien, nous gagnons avion, nous gagnons hélicoptère. Nous n'avons pas dit que nous gagnons le service là. Qu'est-ce que c'est que le service là? Et vous m'avez dit que qui c'est un moyen de transportation que en pile non nous si nous pas sorti pour tout point ce que nous t'ai utiliser c'est utiliser non seulement pour transporter monde mais pour transporter manger et en pile nos marchandises. C'est une transportation en dehors en profession qui aide nous en pile. Merci Mireille. Mais avant que nous passions l'autre monde qui n'a pas de live avec nous aujourd'hui, hein, alors comme non liste Vlad Laguerre, nous partons dans le dernier show que nous faisons déjà. Maintenant, Derry est capable de dire tout court, seulement une seconde. Salut Esther, salut Emirto, Mireille et puis Lima, et puis salut à toutes les internautes. C'est un plaisir pour nous participer dans, et tout connecter en façon qu'on apprenne qu'on est pays en Haïti. Bien et pour capable vivre une clotte d'une manière et plus géniale. Mais ça, problème pas nous, un problème pas moi, des problèmes pas, un problème pas moi. Exactement. Merci un peu, Vladimir. Et bien sûr, nous avons toujours continué sur le système en moyen de transport en Haïti. Moi-même, ça m'a été demandé, qui je nous vois système camionnette, qui je nous vois un bus, genre que ça fait en Haïti. Est-ce que ce n'est pas que nous applaudissons? Ou bien est-ce que ce bagage que nous t'avons porté un changement, ou bien parler de lui, nous t'avons apporté un changement dans un système moyen de transport en Haïti? Tout d'abord, on va pas ajouter un petit peu avec ça que Mireille et puis Oubli m'a dit. En ce qui concerne avec moyens, tu as parlé des moyens de transport, qui c'est motocyclette, qui était à la mode ces derniers temps en Haïti. Même bicyclette à la mode. En plus, le monde monte moto, ça qui cause un pile accident. Il est fait parce qu'il y a des gens qui des motos sans protection. Et là, dans tout le pas monter une moto sans vous pas de casse. Parce qu'ils souffrent un choc, vous ne pouvez pas un choc là, et tout le monde, ça très fatal. Et contrairement à l'autre pays, la Caïmon, nous avons deux styles d'infrastructure en ce qui concerne avec moyens, ça ne se parle pas là, pour transport, ça en fait. C'est route sous terre. Alors, route, ça, nous divisons en deux catégories. Route nationale avec route locale. Donc, il y a ça qui est appelé la Caïbanon, impasse, Ruyel, boulevard, la Caïbanon, la Réunion,
Mais dans terme, ça a aussi une route locale, route nationale. Il y a un nombre de 8 pour le moment. Mais avec l'effort que les dirigeants ont fait ces derniers temps, on ne peut pas le renouveler, qui va paraître. C'est ça qui a connecté le passé dans Miragouane pour atterrir Jérémy, qui a passé un temps dans tout le département du plan et passé par Savo et Bakoua à la Théry et Jérémy. Ça, c'est deux et moyens au niveau infrastructure qui gagne concernant. Et ça, que je fais parler, c'est les moyens de transport et terrien. Je vais dire moyens de transport sur tête, sur la vie. Mais c'est pas en bataille, sur tête. Et le bagage de la balle, tu as ajouté. Moi, une personne, est-ce que nous faisons expérience déjà dans le transport de nos gens, camionnettes, fermes? Moi, ça me devait ajouter, c'est que le service qu'on gagne, c'est qui qualité de service. Quoi offrir client qui est important. Par exemple, nous avons une camionnette pour l'abdidal. L'organisme de service organisé, ce n'est pas bon du tout. Vous pouvez avoir une camionnette ou sortir de Carrefour-Feuille. Vous pouvez aller dans la station de Carrefour-Feuille ou déplacer deux stations de Carrefour-Feuille pour aller sur Grand Rue. Vous avez une camionnette pour aller là. Vous pouvez commencer à sortir de Carrefour-Feuille, par exemple, dans la rue de la Réunion. Je veux dire, nous n'arrivons pas à parler encore. Quand nous n'arrivons pas à parler encore, c'est déjà joué pour descendre. C'est sur l'autre. Et quand vous jouez l'autre, pour qu'elle n'arrive pas à gagner la vie. Ou descendre. Pour être pour le camionnette. Et deuxièmement, Jean Mouna a couru le camionnette là. Même le gars dit que pour lui, il n'y a pas de problème. Donc la vie vous suspend à un fil comme ça. C'est service d'être pas bon et c'est tout côté lié. Même le gars paraît, par exemple, côté organisé. Ou dit bon, pas de ticket, par exemple, pour aller sur ce bonheur, il va le bourrer. En tout cas, dans le bus, un problème qui arrive. Le chauffeur est campé, il descend là, là, 40 ans, il va venir pour 30 minutes dans le 40 ans. Mais est-ce que nous-mêmes qui faisons toute expérience, ça, vous comprenez, qui conseille que nous sommes capables au monde, pour garder nous là, qui ont un monde qui fait camion, ou bien bus, ou bien taxi. Parce que dépend de ces recherches, tout petit, sur le moyen de transportation en Haïti. Nous avons deux stations bus, il y a un qui est au Cap et puis il y a un qui n'a pas au Prince, oublié non, côté de Port-au-Prince. Là, l'arrivée, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas déplacer et non, tant qu'ils n'ont pas l'heure spéciale pour déplacer. C'est les bus là plein. Plein, déplacer. Et les salles déplacer. Mais si vous allez depuis 8 heures, le bus n'a fait 10 heures, 11 heures, vous comprenez? Ou chita là. Qui vraiment sont. Attention. Moi-même, lorsque vous travaillez pour le journal New York Times, vous avez fait un article effectivement sur le système de transport en Haïti. C'est seul Haïti qui a un style de tap-tap, ça, moyen de transport, ça, ça qui est très louable. Parce que nous autres, nous terrestres, ce sont des arts ambulants, des tableaux ambulants. Parce que c'est un équipement et voiture qui gagne, et puis on a décidé de mettre toute couleur là-dedans, de mettre des pensées. Ok, ça a été très louable. Avec bien décoré. Bien décoré. Et puis il y a une musique. Tout. Ah. Je suis en train de faire des musiques. Des fois, ça qui est. Fait passer des musiques d'eau, quand les gens sont trois fois. Et pour nous, on a fait, et moi, ils sont pas les hauts, c'est ça qui est entré dans la route et nationale. Et ça, c'est bien deux et même à trois gares. Il y a une gare du Nord qui est située dans la zone et Chaudé-Cosa. Et l'autre là, et c'est Portail-Yogan qui a gagné pour déplacer, pour mettre au plus à l'extérieur du centre-ville. Moun qui parle de Jérémy par exemple, qui prend le tap-tap, qui prend le bus et sous la rue, mais il connaît qui le bus a déplacé. Ou même qui ne connaît pas, qui sorti dans la diaspora, qui a été à Haïti. Ou besoin à Jérémy, ou lever comme matin. Il a dit, désolé, on va pas aller pour rien. Mais le monde qui est habitué à Jérémy, il connaît la veille, il va l'acheter des tickets, puis ça va déplacer telle heure. Il peut aller quelques heures avant que puisse la déplacer. Il y a moi-même, nous avons constaté que l'heure de Jérémy, il est arrivé dans la station, il a dormi. Tout dépend de côté à sortir pour aller. Prendre un bus pour Jérémy. Mais ça, Esther dit. Hein? Ils disent que vous n'avez pas gagné l'heure pour vous déplacer. Même si vous dites que la machine n'a pas géré, mais ils disent que vous déplacer à midi. S'il n'est pas fini plein, il n'est pas pour aller.
Il dit que même si on prend un système Greyhound qui vient ici, on prend un bus local qui a fait un Bridgeport, Norwalk, Stanford, il y a une raison qui fait que il y a une leur, c'est parce que ce n'est pas un monde qui est propriété privée. C'est parce que bien y a une organisation, il y a organisé la transportation, il y a fixé un tarif, il y a fixé un prix, il y a fixé un leur. Ou qu'on est au bon schedule, ou qu'on est qui le boss l'a déplacé. C'est-à-dire que pour le système de transportation haïtienne, nous avons des moyens de transportation, votre système n'a pas bon. Pour nous avoir un bon système. J'ai organisé, elle n'a pas bon. Attendez, pour nous avoir un bon système de transportation en Haïti, côté pour camionnette, tu as un point A à point B, c'est là où aller. Si on est pour un camionnette, par exemple, des portails et organes, ou qu'on est que la privée, ça c'est un point A avec B. Ça veut dire que même combien qu'on doit payer pour les chauffeurs obligés de respecter, il n'est pas qu'à la bonne en route parce que il va décider d'aller encore ou bien parce qu'il veut les yeux, il veut les 5 passagers, il dit pas vivre encore, il n'est pas qu'à faire parce que c'est pas lui-même qui est responsable, il a autorité sur terre qui fait que c'est comme ça qu'il a fait. Et même des fois tout, et Esther, et des fois tout, en tant qu'on est en route là. Il n'y a pas de problème de machine. Ah, on compte faire le coût de $2, vous avez $3. Pour quel coût de $3 monter pour cela, on est obligé de payer ou pas de payer. Et pour le système, ça a changé. Il faut que nous ayons une autorité qui t'a campé, qui t'a dit OK, nous avons une organisation, nous avons responsable. Même si vous n'avez pas une grosse organisation responsable, toute transportation, quand vous avez divisé, vous dites ou même moi responsable, et comme si grand rue. Tout chauffeur camionnette, mais quand même pas bien payé, et puis ils sont obligés de faire. Ça veut dire que le système n'est pas dans le marché des camionnettes, moins mal basé. En fait, il y a fixé. Il y a fixé. Avec des jeunes entrepreneurs qui viennent sur le marché à ces derniers temps, ils viennent créer une association. Après que Machine Café Chapelle, il y a association, Machine Café au Cap, il y a association, Machine Café, ils ont décidé de faire grève, c'est l'association qui dit, on a fait grève. Et puis tout chauffeur respecté. Mais ça reste plus pour l'association, pour dire que si une association qui a géré dans ce rôle-là, que yo l'État fixé qui machine que yo respecté circuit si machine moi même pour nous ça va pas nous blague là bas ça même les petits on était plus belle fille moi les balayer on connaissait l'homme balayer sans taper la plaie toucher et puis je vais dire ça je vais dire ça ma mère encore content ça c'est comme ça vous faites quoi avec pistache vous voyez parce que tu es content tu as prié pour que quand tout le monde qui est sans pistache on va se couler pour que je vais dire, il va pas aller encore. Il va pas aller encore. Il va me dire, descendre. Ah, mon content. Mais pour nous, capable de m'ajouter, ça veut dire qu'il y a un grand changement en Haïti. Moi, je dis que. Non, tu non, mais on va aller chez lui, il faut acheter des tickets. Ça va pas exister. Mais depuis que ça a commencé en Haïti. Ah, c'est intéressant. Parce que même si vous voulez, il va y avoir une bonne question pour acheter des tickets. Il y a un monde qui a fait, il y a un monde qui a fait, il y a un monde qui a acheté des tickets depuis. La belle. La belle jour, avec Dieu tout le numéro, et pas avec Dieu, pas le du steak et l'enjeu numérique. Il n'y a pas pour tout côté, il n'y a pas pour tout côté qui est loin. Mais tu as parlé plus sur Bominay, parce que tu as dit que le gouvernement a fourré pied dans le bagage. Raison qui fait ça, pour le gouvernement a structuré un système en Haïti. Même là, c'est assez ça, c'est ça qui paraît, mais au moins, il mettait une sorte de. Loi. Il y a des systèmes de régulation. Mais pour le moment, c'est pour le moment pas l'emploi. La loi là, c'est respecté. C'est respecté. Qui peut respecter le c'est moi, c'est vous-même, c'est le chauffeur qui a posé les passagers. Il y a comme un million de nous pour nous voir et passer le message là pour nous. Ah, si on monde, vous comprenez, il y a un intermédiaire. Qui capte taxi ou bien qui connaît au monde capte taxi ou bien qui connaît au monde qui rentre dans le business de transportation en Haïti. Essayez de parler ensemble avec eux, au moins, pour être capable vraiment d'aider l'État, aider le gouvernement, aider les responsables
changer ce système en Haïti. Parce que nous, dans le 21e siècle, il n'est pas fait belle toujours pour nous, derrière toujours notre transportation. Pour dire que ça, c'est nous qui avons parlé avec le monde qui a un business, qui pour nous avoir un conseil. Ou bien nous qui connaissons. Oui. Ok, premier conseil pour nous, nous sommes humains. Nous avons voyagé, nous avons monté en machine. Parfois, nous montons en machine ensemble avec une bête là. Il n'a pas fait sens. Entre, par exemple, Madame Sarah. Oui. D'ailleurs, il a voyagé au Saint Jérémy, nous avons un cabri, cochon, salé. Il a monté ensemble avec une machine. Ça veut dire même j'ai un moyen de transportation ici aux États-Unis bête comme moi passer des tableaux en Haïti nous avons pas besoin de nous c'est pas toute machine non qui d'accord ça par exemple des bouquets des machines qui pas d'accord ils connaissent que camion c'est pour le porter monde seulement mais quand c'est de l'autre machine par exemple qui pas vraiment genre Il est au canter. L'eau monte là de fond, maintenant tu vois une n'importe bête dans la machine. Et d'ailleurs, quand on a dans le système de transportation, respecter prix, etc. On ne peut pas respecter le monde d'abord. Pour respecter le monde, on ne peut pas respecter prix. On ne peut pas, par exemple, on a une bête machine. Ou qu'on parle de la caille, ou bien des tickets, l'abdomen, il est d'autant mieux. Les gens 5-6 minutes, c'est les arrivés. Moi, ça que je n'ai pas ajouté tout petit, parce que moi-même, personnellement, je n'ai pas d'expérience dans tout le temps. Je me suis dit au Cap, en Plaisance. Les gens qui parlent en Plaisance, les gens qui montent en bus, si le bus n'a pas capacité pour prendre 100 personnes, et puis on fait plus de 150 personnes. Ah, parce que ça. Qui n'a pas sens. Parce que dans 8 côtés que nous avons passé, ils ont tout fait tourner. On va en balade. Et l'autre côté de la méthode, on l'a pour mettre bien. Exactement. Ce n'est pas tout chauffeur qui est bus qui est d'accord pour nous camper là-dedans. Il y a des gens qui ont supplié le chauffeur à temps pour le process parce que pas assez de bus, pas assez de machines et on a besoin de arriver côté le palais. Puis qu'on supplie, on peut tout le monde qui a sorti l'école qui a besoin de la caille. Il résigne de camper dans la machine pour la caille. Il y a un chauffeur qui aime le poste qui est plus pour lui faire comme. Mais il y a qui parle même parce qu'il y a un concret de ma chère. Mais il y a pas de mais. Imaginez au bon rendez-vous. Il y a des fois, c'est le dernier bus qui croisé. Dernier étape qui a croisé. Vous connaissez le bon rendez-vous devant là. Vous croisez la dernière machine. Vous avez monté le 10 dollars. Quel était le 10 dollars? Vous avez monté le 10 dollars. Commencez à tirer. Vous avez monté quand même. Et même le bas tiré de l'appli. Vous croisez la dernière occasion. Vous avez quand même. N'importe qui, j'ai un système hier. Ou même si tu as appelé, pas ou même mettons l'autre, tu ne vas pas aller, soit avec le New York, non, là. Pourquoi tu es dans la cabine ou manger ou chez moi? Non, pas obligé. Mais si tu as appelé,
connaît que le sujet est important. Comme je disais, avec nous, on fait quelque chose pour le faire. Organiser le système. Exactement. Tout ça pour le faire, c'est organiser le système. Non? Bah, une autorité, une chance pour être capable de mettre tout système qui est supposé faire Haïti marcher au bien, bas droit humain, importance en Haïti. Tout ça est supposé commencer par nous-mêmes. Et nous-mêmes, cap garder nous. Si tu as besoin que nous retournions faire une émission sur les moyens de transport en Haïti, le transportation système en Haïti, le système de transportation, écris-nous. Voyez-nous ça et puis nous sommes toujours capables de faire une émission pour encore sur transportation en Haïti. Haïti, je t'aime. Internetateurs, internetatrices, comme nous connaissons, nous tous connectés, nous remets faire nos rires. Nous avons mis tout le monde qui prend faire nos voltiges, tomber à terre, et même nous avons des fois que nous avons voilà, c'est une maman qui a un petit garçon. Mais ce petit là a 2 ans. Un jour, il a été livré à maman la poussi. Et puis il dit, maman, qui sort de la vente? Pour qui ça va tout beau comme ça? Maman dit, petit, c'est Tifour qui l'a dans lui. Petit l'a dit, Tifram qui l'a dans maman. Est-ce qu'on remet tes frères, maman? Maman dit, oui, je remets tes frères. Et puis, il dit, si on remet tes frères, pour qu'ils soient valés. Haïti, je t'aime. Et bien, c'est qu'on y a nous pour passer notre 3e partie show, hein, que nous pourrons amuser une autre façon et nous connaître qu'on va vraiment. Haïti, je t'aime. N'apprendrez tout de suite la 4e partie souvent qui s'est pensée du jour. Le temps est un moyen de transport. Nous y montons, chacun à son tour. C'est irréversible. Haïti, je t'aime. Nous t'as bien aimé être ensemble avec vous. Faites tout le temps qu'on t'a rêvé pour le faire avec vous. Mais malheureusement, tu as fait nos défauts. Faut que nous allions pour être capables de reproduire une plus belle chose pour vous toujours. Mais avant que nous résumions sur ça pour vous, nous passons avec Vlad, avec Vlad. La guerre. Comme à la guerre. Alors, justement, en plus, nous pensons que Haïti, c'est 1880 fait. Mais dans le Caraïbe, Haïti, c'était le premier pays et seul pays dans les années 1876 qui était gagné moyen de transport, qui était gagné voie ferroviaire, avec des trains. Mais c'est le premier dans le Caraïbe qui était utilisé train dans le milieu urbain. Nous utilisons de 1876 à 1994. Nous-mêmes, nous avons caché les tours, nous avons les canards qui ont passé. Plongé à l'Ontican. Mais malheureusement, moyen de transport, ça a perdu totalement en Haïti. Alors, formation, ça, c'est juste pour être capable de compléter avec le sujet du jour qui c'est moyen de transport en Haïti. Alors, sous notre satellite, internetatrice, nous voulons dire que nous remons en pile. Et puis, merci parce qu'on choisit de garder nous tous connectés. Mission, nous, c'est pour être capable de connecter tous les Haïtiens dans le monde entier, spécialement ça qui est en Haïti. Nous choisissons des sujets spéciaux que nous connaissons qu'à bon pour Haïti, qu'à bon pour le peuple haïtien, spécialement en Haïti encore, pour être capable de vivre normal, comme toute notre nation qui avance à vivre. Alors, avant que moi-même, pour dire nos petites paroles. Chauffeur, mon qui vient du bus, agir avec conscience, nous traiter mon qui a monté le bus, nous, j'en ai aimé, nous l'autre traiter. J'en ai aimé que nous prenons soin de nous, nous abordons nous, nous faisons nous payer, c'est comme ça que nous faisons payer tout, c'est comme ça que nous servir avec nous, j'en ai aimé traiter tête noire. Nous connaissons ces paroles, nous viennent dans la Bible, pour traiter le monde, j'en ai aimé traiter tête noire. C'est avec conscience, nous. Pour nous connaître comment, pour nous faire pour nous servir avec notre Dieu.
Sur notre salle, nous voulons dire merci encore parce qu'on choisit de nous connecter. Vous voyez connexion par toutes les zones qu'on connaît qui ont accès à Internet pour être capable de garder notre connecté. Nous aimons en ville, ma compagne, un petit bisou pour vous. Et puis sur notre salle, nous toutes connectés.